Elle a franchi le seuil de la pâtisserie, des corps de tarte aux fruits et autres forêts noires. En la voyant entrer, la boulangère a dit: Bonjour Madame Étienne, que voulez-vous ce soir? Aujourd'hui je me paye un bon petit dessert. Le 3 du mois d'avril, c'est mon anniversaire. Au diable le régime, je prends la tarte aux noix, le gâteau préféré de mon défunt mari. Je boirai du vin blanc, tant pis pour une fois, l'occasion de goûter un bon cru de Chablis. Alors la boulangère a souri gentiment et saisit le gâteau dans sa pince d'argent. Ce soir, Madame Étienne va souffler ses bougies, mais quand on est tout seul, le gâteau est trop gros. 85 années, c'est un morceau de vie. Tant pis, elle ne prendra qu'un tout petit morceau. Je parle du passé, ah c'était le bon temps. Nous habitions alors près du Trocadéro. Mais je parle, vous avez vos clients. Mais non, Madame Étienne, ça fera 7 euros. Alors Madame Étienne a sorti sa monnaie et quitté la boutique en portant son paquet. Sous la porte cochère, la voilà maintenant qui compose le code sur le petit clavier. Elle aime bien rentrer dans son appartement, retrouver le matou qui dort dans son panier. Alors Madame Étienne allume la télé, c'est l'heure de l'émission qu'elle aime regarder. Ce soir Madame Étienne va souffler ses bougies, ce morceau de gâteau pourra-t-elle le manger? Les souvenirs sont là pour tenir compagnie. Elle aurait bien aimé pouvoir les partager. Sur le bahut de chêne, la photo de Rémi. Voilà bientôt 10 ans qu'il l'a abandonnée. Au début, ce fut dur de continuer sans lui. Il s'occupait de tout, des courses et des papiers. Alors Madame Étienne a dû croire en la vie, à quitter les factures et vivre sans mari. La nuit tombe déjà et le matou a faim. Les moineaux manifestent, ils veulent leur ration. Ils ont droit chaque jour à leur petit festin. Le balcon du troisième, c'est un peu chez Fauchon. Alors Madame Étienne a ouvert le cellier pour trouver les croquettes et le sachet de blé. Ce soir, Madame Étienne va souffler ses bougies et déguster la tarte qui l'attend au dessert. Elle repense au passé, elle repense à Rémi, quand ils fêtaient ensemble d'autres anniversaires. Il reste du fromage et un peu de rôti, la bouteille de blanc qu'il lui faut déboucher. Elle a mis la radio sur Radio Nostalgie. La fête sans musique ne peut s'imaginer. Et puis Madame Étienne va parler à son chat.
tu es toujours fidèle à l'heure des repas. Que la nuit tombe vite, même les soirs de fête, elle se sent fatiguée, c'est l'heure du repos. Ce vin blanc était bon, mais il monte à la tête. Sur la table de chêne, il reste du gâteau.